Oui, on va attendre. Parce que il n'y a absolument rien pour le moment. J'ai beau charger et recharger. La conférence asiatique commence dans 10 minutes. Et comment dire? Ils ont encore rien lancé. Donc je regarde si c'est un peu normal un peu partout. Donc, je vais quand même un peu parler de cette petite conférence. C'est la conférence donc asiatique. La conférence asiatique pour l'Asie du Sud-Est, sauf le Japon. Peut-être aussi pour la Corée du Sud. Et donc, qu'est-ce qu'on verra lors de cette conférence? Donc, cette 2016. Ou 200, je sais plus. Bref, PlayStation Press Conference Asia, on verra normalement la même chose que lors de la conférence qu'on a eue en début de soirée, hein. Il est à l'heure actuelle 4h51. Le live commence dans 9 minutes. Et y a rien, hein. On va voir ça directement sur Twitch. Ça va recharger une page. Voir s'ils ont commencé un truc. Ils sont déconnectés. Donc, on va attendre. En espérant qu'ils ne mettent pas une. Ce qu'on va appeler, oui, une couille. Une couille dans le potage, voire deux. Pour nous annoncer les mêmes choses. Et voir peut-être une petite surprise. Puisque, de ce que j'ai lu, il y aurait une surprise lors de cette conférence. Peut-être le petit teasing de la Vita Trinity, même si bon, comme on en a parlé en début de soirée, ça risque pas du tout d'arriver, puisque ça risque d'être la même conférence tout coup. Donc à voir. Déjà que la conférence de New York était assez chiante, faut se le dire, hein, puisque bon, après pour parler bien trop longtemps des mêmes choses, de montrer les mêmes vidéos, c'était un peu répétitif. Et cette fois-ci, en espérant qu'il n'y ait pas un réseau du type Machinima qui vienne s'octroyer les droits de ma vidéo, puisqu'ils n'en ont aucun, puisque c'était le live, la rediffusion. Et donc, est-ce qu'il y a des news sur Twitter? D'ailleurs, vu qu'ils nous ont annoncé les PS4 Pro et PS4 2016, hein, la Slim, il y a le pack Slim pour Persona 5 qui a été annoncé dans la nuit, avec une pub assez longue. Toujours rien de commencé, ça commence dans 7 minutes et toujours rien. Donc on va attendre. D'ailleurs, si vous avez le temps, pour ceux qui passent, il y a une petite pétition pour Dragon Quest Burn Builders en version physique en Occident, puisque il y aura une version physique en Asie, mais bon. Il y en a marre un peu de tout le temps passer par l'Asie pour pouvoir avoir des jeux qui sortent en Europe en boîte. Donc, je l'avais fait tout à l'heure, je l'avais partagé via Twitter grâce à RPG Site. Je leur ai juste demandé vite fait. Hein. Donc, je vais vous mettre le lien. La barre de discussion. Donc voilà, voilà. On va recharger cette page-là.
Et toujours rien. Alors je ne sais pas ce que dit bah il y a quoi? Il n'y a que du chinois. Et c'est tout. Puis il y a un gars qui bah, alors pas qui s'amuse à dire n'importe quoi. Bon, bref, j'espère qu'il y aura quand même une petite annonce sympathique qui va changer un peu en espérant que ce ne soit pas la même conférence que celle de New York. Parce que ce serait trop énervant. Même si bon, ça risque d'être la même. Hein. Et vu que je n'ai pas pris. Je ne me suis pas reposé. Hein. J'ai regardé des vidéos YouTube en attendant, même si elles étaient trop peu nombreuses pour être intéressantes, pour se détendre. Sérieusement, c'est quoi ces commentaires? Ça ne commence pas hein, et ça il n'y a rien du tout et ça commence dans 2 minutes. Donc ils nous ont fait un coup à la E3 ou toute autre très grosse conférence, même si celle de 21h ils étaient à l'heure hein, faut le dire. Pour une fois ils étaient à l'heure, 21h ils étaient là et pas une demi-heure après. Ils ont peut-être engagé les gars de qui font les streams habituels de Sony, parce que là. Oh là là. Je vais voir s'ils ont pas un flux YouTube par hasard. HK. Alors, PlayStation VR, non. Je vais me faire un petit abonnement ici, comme ça on va voir directement dans les abonnements si ça va s'afficher. Et il n'y a absolument rien, même pas un petit flux PlayStation Asia sur YouTube.
absolument rien. Un petit peu d'ironie, ça ne fait pas de mal. Malheureusement. Alors, ok, on me recommande ma chaîne. Ils sont forts. Ils sont peut-être dit. Bon, bah, ils ont tout annoncé, on va rien faire. Même si ce serait vraiment une mauvaise chose de leur part. Mais ils ont dû prendre l'habitude, Sony. Ah, ils ont oublié. Ils ont dû oublier un truc, hein, parce que là, c'est vraiment bizarre. Comme dit sur les commentaires, ils ont oublié d'enregistrer. Parce que là, y a un vrai problème.
Il n'y a absolument rien sur la page de PlayStation Asia. Très bonne conférence. On va attendre longtemps. Le stream le plus nul au monde. Alors, il y a Estasia Soft qui a partagé il y a 10 minutes, un quart d'heure, une photo de l'écran de la conférence asiatique. Et pour le moment, il n'y a rien en fait. J'ai posé une question si ça avait commencé. J'ai pas l'impression. Ça peut commencer à tout moment. Qui m'ont répondu donc, on va attendre. C'est assez énervant. Alors, bon, déjà, je vais activer le flux audio, ce sera mieux. Voilà. Voilà. Mais toujours rien.
Ah, ça commence. Ça commence. Et voilà, coming up. Alors j'espère qu'on entend bien, je vais faire un petit test. Alors je vais changer la qualité. Source, voilà. Et il y a un écho, donc propriété. Donc là, j'ai fait un petit changement. J'espère qu'il n'y aura pas de d'écho. Donc je vais voir ça avec l'application. Et donc, c'est bon, il n'y a pas d'écho, donc j'ai réglé le problème du premier live. Et cela bien trop tard. Voilà, ça commence. Donc, ça commence. Donc, je vais pas du tout traduire le chinois, il dit la même chose qu'en anglais. Je suis très nul en anglais, donc voilà, il dit juste qu'ils sont heureux d'être là, je. Voilà, donc, truc classique. Là, c'est juste une conférence de presse plus classique par rapport à la présentation, contrairement à celle de New York. Ok, donc ils vont faire un truc, ils vont faire la même chose, mais un peu différemment. Je vais voir pour hausser le son. Quoi c'est? Donc ça c'est les jeux qui sont en chinois. Et pourquoi ça il est noir mon écran? Ok, non, c'est juste Twitch. Donc, ça parle de la localisation, et c'est dommage qu'on n'ait pas le Shingeki no Kyojin sur PS Vita en boîte. Le Dragon Quest Builders, on l'aura en boîte, mais juste en Asie, en anglais.
Et puis on a vu des jaquettes de jeux Vita, contrairement à la conférence de New York. Comment ça, le son, c'est en option? Ok, ça a bugué. Ça a bugué. Ok, donc ça a bugué. Je ne sais absolument pas si c'est réglé ce bug. Donc je vais remettre comme avant, mais il pourrait y avoir un écho. Malheureusement. Et donc là, il nous montre là. PS4 Pro. Et la PS4 lambda. Et donc là, il montre PS4 Pro. Donc l'écho est de retour malheureusement. Alors que je me retrouve moi. Et ils ont fait ça beaucoup plus rapidement. Ils ont montré les deux d'un coup. Donc, j'essaye de faire un truc un peu différent. Donc, pourquoi pas. Donc en Europe c'est à 400 euros pour la Pro et 300, ouais, 300 si je me souviens bien. La même date de sortie que pour l'Europe. Bien sûr, il vous dit d'aller sur PlayStation.com. Ça, ils ne l'ont pas dit à la conférence de Sony à New York. Donc, pourquoi pas d'avoir une conférence un peu différente. Soixante-dix-huit mille won quand même hein. Pour la Corée, ça fait beaucoup. Donc aussi ouais, 100 de moins pour en dollars 5 cap pour rien, donc ouais, ça
doit être le même prix qu'en Europe. Donc 300. Donc pour le HDR, c'est par rapport tout ce qui est contraste, finesse de l'image. Là, on nous montre de nouvelles manettes. Ils ont juste un petit truc lumineux en plus. Est-ce qu'il y aura une autonomie en plus? Enfin, améliorer. La nouvelle PlayStation Camera qui est quand même assez moche, faut se le dire. Je la trouve assez moche hein, parce que ça fait un peu Kinect, faut se le dire. Toujours pas le son de la conférence. C'est moche hein, parce que ça fait un peu Kinect, faut se dire. Pourquoi il n'y a pas le son de la conférence? The release of the new PS4, Propriété. the new bundle package will release into the market as well. Ok. Alors là, j'espère qu'il y aura le son. Infinite Warfare, pourquoi ça capturerait pas l'audio? Je ne sais absolument pas. This includes two Call of Duty Infinite Warfare and the masterpiece Call of Duty Modern Warfare Remastered. Along with a rich package of DLC, download contents, and also exclusive premium goods. Both titles will be localized to support traditional and simplified Chinese, Korean, and English. Next, NBA 2K17 PS4 bundle will be available on September 20th. This is the first bundle released in Asia with a new PlayStation 4. Je te remercie, hein. Danny Dan 59. 5000 virtual currency. Donc un bundle PS4 et donc le précédent c'était donc le bundle Call of Duty si je présume bien puisque j'étais en train de régler ce petit problème de son. Un bundle Watch Dogs 2 qui aura un film aussi par Sony. PS4 bundle edition will be available in Hong Kong on November 15th. This PS4 bundle have special inlay design along with Zodiac Killer pre-order mission. Ok, un bonus de précommande. Hein, comme pour le premier, si je me trompe pas. Un bundle Mafia 3. PS4 bundle will be in the store on October 7th. You will also receive family kickback bonus with this bundle package. Please enjoy open world action adventure experience. With the latest installment in the Mafia series from 2K, available with traditional Chinese, simplified Chinese, and Korean language support. Coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel pour les joueurs asiatiques. C'est plutôt bien de voir que les gros éditeurs s'adaptent à leur clientèle et pas juste mettre uniquement de l'anglais. And Korea from tomorrow, September 9th, which is a fast release. Ah oui, c'est vraiment rapide, hein, puisqu'elle est dispo demain. Hong Kong, Taïwan et Corée, plus 8 jours plus tard à Singapour. Et bon, il se passe quoi là? Then,
case of Southeast Asia, Singapore will launch fast on September 17th. Please wait a little bit. And other countries will launch shortly afterwards. We will update later. So I hope all of you satisfied with today's new product announcements. With the high-end PS4 Pro and the new Slimmer and Lighter PS4 with more affordable price. And PSVR providing a whole new gaming experience. Ça, on l'a déjà vu, hein. We will continuously introduce more great products into the market. Est-ce qu'il y aura une petite surprise comme j'ai pu dire? Of course, we are preparing to launch a bright of the AAA titles. The time has come. You must get it and have fun with a new PlayStation 4. Thank you very much for your attention today. Thank you. Une petite vidéo, c'est plutôt bien cette micro-conférence est différente quand même. Même s'ils mettent des jeux quand même qui sont déjà sortis. Plus des jeux qui sont exclusifs au marché chinois. Et bien sûr les gros titres. Hein. SD Gundam qui sort sur deux cartouches sur Vita. Et donc, c'est déjà terminé. Once again, thank you Ola-san for the great news for gamers and also the brilliant presentation. Thank ah you. Non, c'est juste right now I would like to ask Ola-san please remain on stage vidéo. And we would like to welcome our PlayStation Game Girls also join us here with the new products. 今日咧非常之多謝 Ola-san 咧為我哋帶嚟全新產品嘅好消息啦，咁同時間亦都邀請咧我哋嘅 Game Girls 咧係帶同其他嘅 PlayStation 產品咧係俾大家咧一齊影一張嘅合照㗎。OK, le VR, les deux nouvelles manettes et le nouveau casque platine à 170 dollars. 與此同時咧，都同大家總結一下啦，剛才 Ola-san 嘅介紹啦，就宣布咗我哋最新集合咗新技術，承載咗 PlayStation 一貫領先嘅遊戲科技。 其中咧就有全新嘅 PS4， 咁定價咧就係 2380蚊港幣啊，發售日咧將會係明天9月9號開始啊，喺香港啦作為全球最早發售地區之一。咁另外咧 PS4 Pro 咧定價咧就將會係3180蚊港幣，到時咧就會喺11月10號全球同步發售啊。咁啊各位，希望大家一定要密切留意啦。De faire en un quart d'heure ce que la conférence de New York a fait en 45 minutes. Donc, aujourd'hui, on est très heureux de voir les gens qui ont été en train de se faire en Hong Kong, les gens qui ont été en train de se faire en Hong Kong, les gens qui ont été en Elle est longue cette séance photo. Vraiment longue. Oh, guys, I'm the way. It's a pleasure to have Ola-san for the presentation today. Thank you so much. Please be seated. Et voilà, la séance photo est terminée.
La conférence est sûrement terminée à ce niveau-là. Sauf si... surprise. So, right now, may we please request the Hong Kong and China media to stay for the upcoming local presentation from the Hong Kong team. Meanwhile, we would like to invite media from other regions. Please follow our staff to another location. Our staff shall lead you the way for more showcase and demonstration. Thank you. 咁啊，活動嚟到呢度咧，尚未完結㗎。咁啊，一陣間咧，我哋就會公布香港區嘅詳情。我哋咧想邀請相關嘅媒體咧，可以繼續留步啊。喺現場咧，我哋有更加多精彩嘅內容送上㗎。 Donc il y a une nouvelle personne qui arrive là. Thank you. Ils sont quand même un peu cons, je trouve. Tout seul. À attendre. Surtout qu'il doit pas se rater en plus. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Désolé pour le coup. Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé. Ou c'est pour une photo qui s'est décalée. 好，多謝各位媒體朋友嘅耐心等候啊 ！Thank you for your patience。呢個時候咧，我哋接住就係香港區嘅詳情發佈啦。咁我哋咧首先咧想邀請 Sony Interactive Entertainment Hong Kong Managing Director Mr. Petilo Pokolosan，Director Manager de PlayStation Hong Kong。PlayStation 喺香港方面嘅最新動向啊！ May I now please invite Mr. Petilo Pokolosan，Sony Interactive Director。 Entertainment Hong Kong Managing Director to the stage for his insight and sharing of PlayStation. Thank you for the introduction and thank you so much again for your time. Ils vont nous reparler de la PS4 Pro. I felt so much excitement from all of you and especially for the media people. I truly appreciate you spread this news today as much as you can. Thank you so much. This is second time that Hong Kong is hosting PlayStation Asia conference, last time in July for the PlayStation VR, and this time for today. And why Hong Kong selected? That's because Hong Kong has been playing very important role for PlayStation Asia business. And thanks to the large amount of PlayStation fans, and I truly appreciate all the publishers, medias, normal puisque c'est une zone qui sort beaucoup de jeux en version Asia English, donc nous les occidentaux, on achète. And we have launched the PlayStation 4 in December 2013. And since ah, c'est en décembre pour la PS4 Pro. Qu'est-ce qu'il y a sur PS2? Past PlayStation 4 series, and to reinforce our position, just Oda-san announced today for the new PlayStation lineup, and the strongest lineup I feel that the history ever, and that's a great news for us. And s'ils ne montent pas leur diapo en direct, ça va pas le faire. Is to deliver the slimmer and smaller new PlayStation 4. It is together with the strong titles coming up. It is our strategy to further penetrate PlayStation platform to a wider range of customers, such as families and casual game users and younger generation students. Donc, ils cherchent à pénétrer les casual gamers et les joueurs occasionnels. With much more affordable price, we're enabled to do so. And again, I like to stress that September 9th launch tomorrow is the fastest launch in the world. I myself cannot believe it. Actually, that ouais. Happened in Asia. On peut dire que c'est le lancement le plus rapide dans le monde, vu que officiellement, puisqu'elle est déjà en vente en Angleterre et dans les pays du Moyen-Orient.
So that's the I really hope that the Hong Kong people can get this new PlayStation 4 earliest in the world tomorrow. And to do that, it's not only for that, we are going to spend 50% more marketing investment OK, ça parle de thunes, de leur investissement dans le marketing, je comprends bien. Like a platinum shop, the longest history we have in this Hong Kong business, we're going to increase the number of the platinum shop, 3 more stores in this month. And aligned with this new PlayStation 4 announcement, we have 2 highlights for the sales campaign kickoff starting from tomorrow also. One is that we call Brother Deal. This is the things that if you go to the store, of course alors, you buy one, pas, but if you je sais absolument pas friends, c'est quoi le jeu, father, puisqu'ils ne le montrent pas. Kid, baby, you bring, mais je crois que c'est un jeu qu'ils ont montré dans leur vidéo juste avant. Coupon, si so je ne me trompe pas. That to the next purchase. That's the great incentives. And the other one is that we're going to add 5 more new greatest hits titles. On top of the 21 titles we're going to have, so total 26 titles, greatest hits, only at 198 Hong Kong dollars. Those 2 new campaigns will kick off also tomorrow. And on top of the new PlayStation launch, PlayStation VR is another key milestone for us. Donc le PlayStation VR. Mais leur diaporama, bah, c'est pas ça. Ah. Ils ont enfin changé. Donc dès demain, les joueurs asiatiques pourront précommander le PlayStation VR dans l'eShop PlayStation, le Sony Store ou en ligne, via un store Sony en ligne sûrement, voire d'autres distributeurs, demain à 10h heure hongkongaise, soit 4h du matin en France. Sauf qu'ils sont en retard encore. Now I am very happy to announce that a new strategic partnership channel partner we're going to start for the with local mega lifestyle specialty logon for the first time. This logon I visited many times, and I see like a younger generation. It's kind of different customer base we have, and we approach to them. We've been working for that. And we're going to start the strategic channel relationship with them. And we have prepared the user-friendly PlayStation VR all-in-one pack for login. Un pack pour 400 euros, sûrement. VR, peut-être même un peu plus. And camera, and also 2 booths included at the price of the 3,980 Hong Kong dollars. And I'm happy to say that pre-order we can start also at Logon eShop starting from tomorrow. OK, c'est leur partenaire Logon. And of course remain the same for the October 13th for this pack as well. Now here let me welcome
456 euros au taux actuel du jour en fait pour le PlayStation VR à Hong Kong avec les deux PlayStation Move et la PlayStation Camera. Donc, deux nouvelles photos avec Elisa Lo. Thank you, Togoro-san. Thank you, Elisa. 咁呢個時候亦都想邀請 Elisa 咧，同我哋分享幾句説話㗎。 Thank you. On behalf of Lo-On, we are very pleased to be partner with Sony this time, and we hope to bring this innovative product and innovation experience to our customer in Hong Kong. Thank you. Thank you, Elisa. Please be seated. Thank you. De nouvelles expériences pour les clients hongkongais. And to celebrate the PlayStation VR, we're gonna kick off the PlayStation VR midnight sales party on October 13th midnight. Starting from 12 a.m. at Cha Sui. Pour les 100 premiers clients acheteurs le 13 octobre à midi, soit 6 heures en France, ils auront le droit à un socle pour leur PlayStation VR, hein, tout en bois. C'est un truc vraiment fait pour la clientèle asiatique, puisque en Chine ils ont eu droit à un beau pack spécial avec une les PS4 et les PS Vita Dragon. Ils ont aussi eu la PS4 dorée customisée pour la première année de vente, si je ne me trompe pas, en Chine, qui était très belle. Une petite faceplate qui change un petit peu. And I really appreciate again for all the publishers, all the media, all the distribution partners, as well as all the retailers and all the PlayStation fans. Thank you so much today. Thank you. Thank you, Togoro-san. Please remain on stage, please. Thank you for the presentation. And right now we would like to invite Oda-san come up to the stage again to take a picture with Togoro-san. And also, we would also like to invite our game girls here to bring us our new products. Encore des photos. Avec la date de sortie de la nouvelle PlayStation 4 pour le prix de 2380 dollars hongkongais. Sérieusement, 2380 ouais. Soit 272,9€ la console. Plutôt pas mal, hein, qui est un prix. Bon, si ça coûte un peu moins cher, puisqu'il y a moins de frais, puisque c'est fait en Chine et Hong Kong, c'est. Une partie indépendante de la Chine. Et donc il y a beaucoup moins de taxes. Enfin, un petit peu moins. Donc,
Thank you for our media, and once again, thank you, Ola-san. Thank you, Takuro-san. Please be seated. Thank you. Thank you, our friends from media attending today's PlayStation Asia conference. An interview section with the media will be followed afterward. Press kit will be distributed from our PR team as well, and we hope to see you all very soon. Thank you so much. Ils vont distribuer des press kits et donc. Terminé, je crois. Ouais, tout le monde se barre, j'ai l'impression. Ah, ils vont prendre des photos. Ok. Ça a merdé. Donc, on va relancer ça, déconnecter. Ah bah en fait non, ça a pas merdé, c'est qu'ils sont arrêtés là. Donc pas de surprise comme ça a été dit. Donc peut-être que la surprise ce ne sera qu'à, enfin qu'au Tokyo Game Show. Hein. Avec peut-être ou pas la Vita Trinity. Sur ce petit live qui a merdé bien sûr malheureusement est terminé. Sur ce, moi je vous laisse, portez-vous bien et à mardi prochain 9h du matin pour la conférence pré-Tokyo Game Show de Sony, en espérant voir des trucs sympathiques, parce qu'on a vu quelques jaquettes Vita, donc pourquoi pas des jeux Vita au Tokyo Game Show. Sur ce, je vous laisse et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.